Bonjour et bienvenue chez moi, c'est Jérém. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter, encore un nouvel upgrade, un nouvel arrivage pour mon costume, mon cosplay de Din Djarin The Mandalorian. Et là, c'est pas un petit truc, parce que franchement, ça va concerner un ensemble électronique. Ça vient de chez Rionu Custom. C'est un créateur Etsy qui propose de modifier. Regardez, vous voyez le petit bracelet là, ce que j'ai. Voilà, normalement il y a des affichages. Je sais pas si ça se voit bien. Non, ça se voit pas bien. Voilà, il y a des affichages. Normalement, là c'est sous forme d'hologramme. Normalement, ça se voit à l'œil nu, ça se voit, mais pas à la caméra, c'est bizarre. Mais en tout cas, voilà, il y a deux inscriptions différentes. Si vous connaissez la série The Mandalorian, vous savez que c'est un écran LCD. Voilà, c'est un truc totalement autre que ça. Bon, là, ça fait bien, ça rend bien, parce qu'à la base du costume, souvenez-vous, quand je vous l'avais présenté, quand je venais de le recevoir, c'était, il n'y a rien derrière, il n'y a rien, c'est tout plat, c'est tout gris, il n'y a rien. Ensuite, j'ai acheter ceci et là on va passer sur du lourd puisque je vous ai parlé d'électronique. Bah là ça va carrément être l'écran LCD et là c'est Rionu qui m'a envoyé cette petite boîte. Voilà, et bien sympa parce que regardez quand on ouvre, hop là, rionucustom.com. voilà, vous avez son lien de site et il m'a fait voilà, this is the way, et ouais, telle est la voie. Et on va voir ça tout de suite parce que regardez, moi je l'ai changé déjà, je l'ai changé. Hop là, voici un petit écran LCD. Je vous mets, parce que j'ai filmé un petit peu avec mon smartphone, justement, l'unboxing. Voilà, vous voyez les images qu'il y a quand on ouvre. C'est vraiment un composant électronique avec en haut, à sa tête, l'écran directement. Alors, je ne vous cache pas que j'ai dû faire des modifications. J'ai pris un Dremel, merci à mon père de m'avoir prêté son Dremel, et j'ai tant bien que mal fait à la dimension exacte de l'écran, parce que l'écran est légèrement plus petit que le carré total de mon brassard. Voilà, c'était pas parfait, c'était dégueu. Alors, j'ai fait un truc, mais franchement, ça fait le taf. Voilà, là, vous n'y voyez du feu. Mais si on rapproche, regardez, j'ai découpé ensuite, je suis allé avec ma chérie chercher un carton gris, voilà, et j'ai découpé. Et là, vous allez voir, là ici, il y a tout l'ensemble électronique avec le petit câble et sur lequel on y appose une batterie externe. J'ai branché et regardez ce que ça fait. Voilà. Voilà, donc de loin, ça fait le taf. Franchement, ça rend, c'est totalement différent. Vous allez me dire, c'est totalement différent de ce que je vous ai présenté juste avant avec le petit carré qui était bien, mais bon, voilà. Voilà, là, c'est propre. Il n'y a pas de reflet. C'est un bon écran LCD. Et là, les inscriptions, alors ne me demandez pas, je suis fan de Mandalorian, mais je ne lis pas le Mandalorian. Mais franchement, c'est classe, c'est classe. Je suis quand même assez fier de moi parce que je ne suis pas bricoleur. Et là, d'avoir réussi à coller l'arrière, voilà, à vraiment bien la poser parce que c'était pas évident à percer, à faire tout le contour. Là, vous voyez justement, allez, je sais pas si on va bien le voir. Voilà, tous les points de colle, ces tubes de colle. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu et ça rend bien. Maintenant, il manque plus qu'à trouver une plus petite batterie. Parce que celle-là, bon, elle est bien, ça rend bien. Je vous mets les images, vous les voyez là. La batterie, elle est à poser, mais elle est assez encombrante. Mais voilà, elle ne tombe pas, ça ne fait pas ouvrir le brassard, ça rend bien. Et je suis super content. Franchement, je suis super content. Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est classe, c'est classe. Franchement, là, lors de conventions ou alors quand je porterai le costume, là, enfin, si vous me voyez, vous allez voir, ouais, c'est quand même bien, c'est quand même bien. Je suis très content, merci encore à rionucustom.com, c'est du très très bon travail, très rapide, et voilà, que dire de plus, si ce n'est aller le voir, et puis si vous désirez vous aussi personnaliser votre brassard de Mandalorian, n'hésitez pas à faire appel à ses services. Voilà, c'était une petite vidéo, une courte vidéo, mais en tout cas, j'espère que ça vous a fait plaisir, et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos, très bientôt sur la chaîne, et n'hésitez pas à passer sur le forum forum.ijeremy.fr. Voilà, je vous y attends et on partage nos passions. À très bientôt sur la chaîne. À ciao, salut les amis.